مرحبا بكم في نحبو السينما. حوار بين زوج يحبوا يشوفوا دي فيلم الجيريان ويتلاقاو باش يقصروا عليهم. وش حسوا؟ وش فهموا؟ كيفاش الفيلم فكرهم في روحهم؟ وش من فكرة جديدة جاتهم؟ أنا أميرة. أنا محمد. وفي هذا الابيزود نهضروا على الفيلم في منصورة فرقتنا. En français, un Mansoura, tu nous as séparés. Il s'agit d'un film documentaire réalisé par Dorothée Myriam Kellou et il dure 1h10. Dans ce film, la réalisatrice déploie un dispositif d'enquête avec son père à la recherche d'une histoire à la fois familiale et collective pour tous les Algériens. L'histoire des millions de déplacés et déportés par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Père et fille partent dans le village dans lequel le père a grandi pour dépasser les silences et les zones d'ombre, et dans une quête de pacification. القلق هذاك اللي كان فينا ما خلاش هو ولا القعده هذيك اللي كنا قاعدين فيها المهم انا ما شفتش على الطريق نحاول نفكر هكا واش حسيتي حسيت بالفراغ Le frère dans le sens du vide existentiel. Il y a des paysages quasi désertiques qui reviennent dans tout le film. Il y a la scène du brouillard qu'on voit du camion. Il y a le silence des personnages. Leur regard. Le vide de leur regard au départ. Ça m'a confronté aux silences qui sont dans ma propre famille. Hadouk les silences li ou léo des tabous ou mir léo que je te trouve dans une intimité ma'ahom. L'istermar. Harb l'istiklal. عندنا ما سمعنا عليهم بصح في الحق ما نهضروش عليهم du point de vue du vécu واش عاشو جدودك نتايا ولا نتيا exactement كيفاش عاشوه واش حسوا et je parle au-delà des récits héroïques en fait c'est des discussions نهربوا عليهم on a tendance à les fuir en tout cas celui qui raconte comme celui qui écoute parce qu'on sait qu'il y a eu une souffrance et donc on a peur de réveiller avec la souffrance Anaya ما نسقسيهمش على لا غير ولا على لي زاني 90 باسكو نخاف نفكرهم في هذيك لا دولور نخاف نتوجع معاهم بورتان هذاك الوجع هذاك بالذات il se transmet de génération en génération بلا ما نفيقو انا pendant le film j'étais apaisé par le calme qui se dégage des images de leur beauté les chevaux les paysages les montagnes et aussi globalement du rythme du film comme si had le film contenait en soi avec le processus de pacification. بصح مور اللي شفت الفيلم وخممت عليه j'étais plus en colère. Ça m'énerve de ne pas avoir connu had l'histoire plus tôt et que cette histoire soit globalement peu connue par les Algériens. Le titre du film porte bien son nom, je trouve. Au-delà du sens familial, cette histoire des millions de déplacés elle nous a séparés en tant qu'Algériens. Je pense à ce livre sorti à Amelie Fett autour du trauma colonial et je me dis que ces déplacements, c'est un trauma et il est peu connu et surtout pas du tout résolu aujourd'hui. Où je comprends ? Bah, depuis toujours, j'entends et je prononce moi-même la fameuse phrase qui dit que diviser pour mieux régner. Et je sais que le colonialisme utilisait de la stratégie pour sa domination. Ça, ça restait théorique. Ça reste hadara ou tchmem. Grâce aux émotions que peut transmettre un film, et spécialement le film, n'qadaron fahmo ce que ça veut dire concrètement diviser pour mieux régner. Il y a une scène en particulier, Markatne, l'inchoufouviha des chiens errants. À Tariq, sur un terrain vague.
Anna, pour moi, cette scène, elle est très symbolique. Qui font ça déplacer les villageois, pour t'attirer le lien avec la terre ancestrale, ou une huma, ou du dodhom zado ou nado. Et c'est un lien sacré pour beaucoup d'entre eux. Donc, pendant ça, qui peut t'attirer avec le lien à leur terre, nes toujou, nes toujou, ou bishinsa ou hadek la douleur, harbo min ay hajat fikrham feha. Et c'est ce qu'on voit dans le film. D'ailleurs, maoula ou shilbladham pour la plupart. Dans ma famille, il y a des photos, il y a des textes, des traces qu'on évite de montrer pour se protéger. Mais qui t'aharb ? Dima t'aharb parce que traf t'toudja. Tu te retrouves hanté par les douleurs du passé et par les colères, hadok. Et pour moi, c'est comme si tu devenais une âme errante, toi aussi. Tu erres. Et des âmes errantes, ça n'entre pas, ou en tout cas peu, en connexion avec les autres. L'ifem toutaniana, c'est que l'histoire t'as les déplacements, c'est une histoire fondatrice de l'Algérie. Bessah, jamais l'État t'ana, jamais ils en ont fait une histoire fondatrice, au sens de pacifier ce traumatisme collectif. Au contraire, l'aboub had l'histoire ou khlaouna mtfarqen. Hakayet l'harka, jamais man hadra aleha. Mbad, très rapidement, il y a eu la séparation à cause des langues, les différentes langues. Berbère, arabe, derja, français. On bazado une séparation plus précise entre Kabylie et le reste. Ou Zélium, on parle de plus en plus de la séparation entre le nord et le sud de l'Algérie. Et tous ces déplacés qu'on voit dans le film, ils ont été divisés intérieurement puisqu'ils ont quitté leur terre, une partie d'eux-mêmes. Et c'est devenu institutionnel. Chaque différence est devenue une séparation. Voir en face un trauma qui est mal histoire d'aller déplacer, ce serait fondateur peut-être d'une nouvelle Algérie, beaucoup plus fraternelle et apaisée. Et c'est ça que je vois comme potentiel dans ce film. Et on le voit chez la réalisatrice, en fait, qui, dans le film, on la voit s'apaiser et on la voit aimer l'autre, au travers de son regard porté sur le trauma familial. Nous étions à la violence et à les déplacements. Il y a pas mal de plans dans le film, où on voit des voies ferrées et des passages de train. Là, pour moi, la réalisatrice, elle est en train de partager ce qu'est pour elle cette violence. Ce traumatisme, pour elle, il renvoie au traumatisme, l'autre traumatisme qui est celui des déportés juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que tu penses de toi ? Je pense que les chiens errants, les aïtouf l'il, pendant et après Adan al-Fajr. C'est des hurlements qui déchirent le silence de la nuit. Hakdak li nfir bli maqbel, ça me paraissait calme. Ou min bad, j'ai du mal à me rendormir en général et je fais plus attention au bruit de la nuit. Dorothée Myriam, dans son film, elle nous montre des personnes qui sont comme des amérantes au départ, dans leur silence et leur regard. Et la manière dont elles captent leur voix, leurs histoires, pour moi, ça se rapproche du hurlement. Finalement, pour moi, c'est un film qui est comme un hurlement, parce qu'il vient rompre le silence de la mémoire. Fort bli maqbel, ma kouch sama'a blahkayat à les déplacements. Ou durka li rani nfiq blaqel bli kayn swalih bzaf, ma ranich sama'a behum. Ountaya ? Dans le film, on comprend qu'il y a eu plus de 2 millions d'Algériens déplacés durant la guerre, et sur 10 millions en tout à l'époque. Donc, un cinquième de la population algérienne de l'époque. Anna, ça m'a fait penser au fait que j'ai grandi dans une famille Zaman Kolo algéroise. A priori, on n'a pas connu de déplacement, on n'a pas connu de traumatisme dans ma famille. Bessah, j'imagine qu'on a connu le fait de voir des gens arriver d'ailleurs. Et ça me fait malheureusement penser au côté un peu sectaire et recroquevillé de ma famille. Nkolo blihna les Algérois ou l'okhren meshi Algérois tassah ou nkolo bli l'okhren braniya, des étrangers. Ou zama man traltosh ma'ahom. Et ça raconte une culture quasiment tribale en Algérie. Et c'est dans ce contexte tribal qu'il y a eu autant de déplacements. Et c'est ça qui fait toute la violence de cet accent de déplacement. Là, je me dis que oui, le silence autour de ce traumatisme a été institutionnalisé par l'État et peut-être utilisé, qui m'a un rôle la bobéna. Mais il y a aussi le silence permis et favorisé par les familles qui se sentaient
menacé par ces étrangers qui venaient d'un peu partout en Algérie. Et le truc d'Al-Baraniya, c'est une complicité envers le silence, et c'est ça qui continue à nous mener à éviter de regarder et le traumatisme collectif, et c'est ça qui nous empêche peut-être de tout simplement communiquer bénatement. Ou qu'est-ce que ma idée de Dajatok ? Plein d'idées. D'abord, l'idée de voyager, à la fois en voyant tous ces beaux paysages partagés par le film, et puis ces plans à nouveau sur le train, qui me donnent envie de voyager seulement en train en Algérie. Et pourquoi pas mêler ce voyage au sujet du film, parler encore et encore de cette histoire et de ce traumatisme. Dans le film, il y a une séquence où le village est invité à une projection d'extraits d'archives autour des déportations et des déplacements. Il faudrait que nous fassions ce type d'action tout le temps, et à la fois sur Had le sujet et sur tellement d'autres sujets rendus au silence en Algérie, que ce soit nos traumas coloniaux ou nos traumas plus récents. Je crois que la rencontre entre nous les Algériens, elle se fera réellement lorsqu'on osera parler ensemble de ces histoires. Mandurka rani haba nqadlha ana. C'est les membres de ma famille sur ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, pendant les années 90, comment ils se sentaient et comment ils se sentent encore aujourd'hui. J'ai plus envie de partager ça avec des craintes et des non-dits. J'ai envie qu'on mette des mots ensemble dessus, qu'on écrive et qu'on réécrive leurs histoires, qui sont en fait nos histoires familiales, peu importe le média que ça prend, que ce soit à l'image, à l'oral ou à l'écrit. L'épisode Hadamna Alal Film fait Mansoura Farraktna, en français Amansoura Tu nous as séparés, de la réalisatrice Dorothée Myriam Kellou. On espère que vous avez aimé Had l'épisode. Venez nous en parler. Olulna ou Chassetouf les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Habou Selema est un podcast réalisé par Mohamed Rojdi Sifawi et Amir Al-Wadah. Participer à un dialogue entre Algériens, spectateurs de films algériens.